Bonsoir, bonsoir. Si vous avez des questions, je pense que c'est aujourd'hui que vous devez les poser. Donc préparez vos questions si vous en avez. Bonsoir Yvette. Bonsoir. Je capte toute énergie négative. Je les retourne à l'envoyeur. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ou moi ne peut prospérer. Je viens bloquer toute entité négative qui serait ou pourrait être envoyée pour distraire les personnes qui vont écouter cette vidéo. J'ouvre votre esprit, je demande lucidité. Je vais lancer TikTok. Préparez vos questions, je ne lis pas encore. Hein. Maybe we make a deal. Maybe we make you gonna know things get better. You find work and I get promoted and you get more to the better. Bonsoir. Arisco. Ok. Là, on est vraiment connecté. Bonsoir. On va parler de spiritualité. Je vais prendre les petites questions de base. Parce que généralement, je suis très profonde quand je fais les directs. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre les plus petites questions.
Voilà. Donc, je chasse toute mauvaise énergie. Tous ceux qui me connaissent, qui disent déjà Jojo, là, moi, ils peuvent vous bloquer. Vous avez suivi. On n'est pas ici pour les mêmes raisons. Voilà. Donc j'invite le Saint-Esprit vos ancêtres, vos anges, vos guides, appelez le nom de vos ancêtres, mère, grand-mère, toute personne qui est décédée. Je sens beaucoup leur présence, donc peut-être je vais partir, c'est par là-bas que je vais partir ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes, vous paraissez, vous avez l'impression d'être seul. Donc bonsoir, je vais super bien, comme vous pouvez me voir. Je suis en direct à 22h dimanche, donc je pense que je vais bien. Si je suis venue en direct, c'est parce que j'ai des choses que je dois. J'ai des questions que je dois répondre venant de vous. Ok. On va commencer. Donc, il y a le Vono. Monsieur Abraham. J'appelle ma mère Aurélie et je demande, quand ils viennent, qu'ils puissent nous guider. De là où ils sont tombés, que nous ne tombions pas. De là où ils ont échoué, que nous, on n'échoue pas. Et tout ce qu'ils nous ont dit depuis qu'on a oublié, qu'ils nous le rappellent. Qu'ils viennent nous guider dans nos rêves. Qu'ils nous parlent en journée. Bonsoir Bamako. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore très superficiels. Et quand quelqu'un meurt, vous pleurez seulement la mort superficielle. Vous ne savez pas que c'est juste leur chair qui est partie. Si vous arrivez à accepter que Jésus est mort et que son esprit est là pour vous aider, pourquoi vous ne pouvez pas croire que l'esprit de votre grand-mère est là? Bon, Corinne demande, est-ce qu'après le bain de sel, on peut se oindre le corps? Oui, tu peux te oindre. Mais le plus important, tu te sèches. Laisse le sel sécher sur toi naturellement. Dans l'eau salée que tu as mis sur toi là, ne mets pas l'huile. Pardon, ne mets pas la serviette, pardon, ne te sèche pas. Laisse ça sécher seul. Même si ton papa a été tué par son cousin, il faut que tu laisses. Laisse passer. Bon, il y a une autre question. Dans votre huile, il faut développer l'habitude de mettre ceux qui ont lu de blindage, vous mettez ça dans votre huile. Il y a aussi des certaines poudres que vous pouvez mettre. Dans vos kits, vous avez les poudres maison manquées. Bonsoir, la mère, tu viens de me bloquer. Oui, je viens de te bloquer. Moi, je te bloque, tu viens ici, je te bloque encore. Tu as compris, papa, ou c'est maman? Tu as compris? Ok. Bon. Comment faire? Il y a Brunel qui demande comment faire pour grandir spirituellement? Quelle habitude adopter? Ça, c'est très, très, très important.
La croissance spirituelle, il y a des événements qui peuvent provoquer votre croissance spirituelle. Mais je dis toujours, n'attendez pas que. N'attendez pas le décès de votre mère ou le décès d'un de vos enfants ou bien votre de frôler la mort quand tu as un accident, tu as failli mourir. N'attendez pas des situations aussi fortes pour dire ok, je vais maintenant devenir spirituel. Ok, n'attendez pas ça. C'est pas nécessaire. Je dois mettre dans le groupe que je suis en direct. L'éveil spirituel, c'est d'abord une décision. Je me rappelle à l'époque, j'ai vu dans la Bible un passage, je vais vous le lire. Donc le passage, c'est dans Jacques. Jacques chapitre 4. Pour ceux qui sont dérangés, j'enseigne avec la Bible. Donc si ça dérange quelqu'un, je ne m'excuse pas. Ça veut juste dire que je ne suis pas ta personne pour t'enseigner. Jacques chapitre 4, verset 8. Verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La spiritualité ne peut pas se séparer ou être en le, ou bien être, on ne peut pas dissocier la spiritualité de la purification de cœur. Et la purification de corps. On ne peut pas les séparer. Et je rappelle aussi que la spiritualité n'a pas un couloir unique. Parce qu'il y a des personnes parfois qui aiment montrer qu'ils sont plus spirituels que d'autres personnes. Quand, dès que quelqu'un vient comme on a dit que je connais plus que telle personne, il n'est pas spirituel. Absolument pas. Ce n'est pas une compétition. Plus important, détecte ton couloir. Dès que tu connais ton couloir, reste dans ton couloir. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, on a tout en ligne aujourd'hui. À l'heure, si peu importe ce que tu veux, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui est en direct en train de faire ça. Peu importe ce que. In English is James, yeah. French, c'est Jacques. English is James, yeah. James chapitre 4, verset 7 et 8. Donc, si vous voyez bien, les gens qui sont même très spirituels ne le disent pas. Vous allez être quelque part comme ça, vous allez chauffer, vous allez montrer que vous connaissez la Bible, vous allez montrer que vous connaissez tous les ancêtres, vous allez montrer. La personne sera calme. Plus tu veux être spirituel, plus tu es spirituel, plus tu comprends que tu ne connais pas. Celui qui vient vous montrer qu'il connaît, il n'est pas encore là-bas. Non. Beltrade Kink. Oui, je t'ai dit, moi, déjà dit, même quand tu commandes dans mon direct, je n'aime pas trop ton aura. Je peux dire que tu es à 60%. Je te tolère 45%, on va dire comme ça. Tu as compris? Donc. J'ai compris à travers ce passage très tôt dans ma vie que il y a l'acte où Dieu t'appelle, il y a aussi l'acte où toi-même tu viens à Dieu. Toi-même tu viens à Dieu. Tu dis que Seigneur, je viens. Ça peut être tes ancêtres, hein? Je sais pas. Le truc c'est quoi? Je ne rentre pas dans les batailles. Parce que je sais qu'en ligne, il y a les gens, les camis, t'avais les. Je sais pas, je ne rentre pas dans ça. En anglais, on appelle ça deconstruction. J'ai traversé ma période de déconstruction. C'est-à-dire, ma spiritualité a commencé dans l'église. Et
Je crois, j'étais juste figée sur tout ce qui était seulement église. Et j'étais en Angleterre, donc j'ai pas connu la spiritualité ancestrale quand j'étais en Afrique. Mais je suis arrivée en Europe, je me suis ouverte à la spiritualité, au christianisme, j'ai commencé. Mais j'avais beaucoup de zones d'ombre. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma période de déconstruction, c'est surtout, la déconstruction, c'est quand tu commences à questionner tout ce qu'on t'a enseigné. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est seulement Jésus? Pourquoi donc tu commences. Généralement, c'est peut-être parfois que tu as été déçu, tu as servi Dieu pendant longtemps, après tu vois, il ne t'a pas répondu. Tu m'as demandé, est-ce que le Dieu c'est même réel? Est-ce qu'on m'enseigne même bien Dieu? Voilà, il y a Marcy qui dit qu'elle est Camille de base. Et elle a donné la direction et elle est tombée sur moi. Voilà. Et vous savez, dans les enseignements, je ne force personne à me suivre, vraiment. Dieu vous dit toujours, ne faites pas ce qui est contre votre esprit. Parce que vous serez toujours un truc en vous qui va vous guider. Donc, vous devez développer la capacité de vous écouter. Tu peux avoir des périodes où les enseignements des Camille t'attirent beaucoup. Parce que le truc à l'église qui a fait que je questionne beaucoup de choses, c'est que on demandait d'avoir l'esprit seulement comme ça. Genre, ne regarde rien d'autre, n'écoute rien d'autre, ne lis rien d'autre. Donc, pour eux, enfin, pour les chrétiens, c'est seulement, si ce n'est pas Jésus, c'est rien d'autre. Si ce n'est pas Jésus, tu me like. Il y a ce radicalisme-là. Et ce qui fait que quand je partais évangéliser, je me disais toujours, donc tout le reste, là, va mourir, ils vont partir en enfer seulement. Et vraiment, parmi les chrétiens, même, il y avait certains chrétiens là que leur moralité était très questionnable. Du coup, je me demandais, Dieu juge alors sur quoi? Donc, c'est des choses comme ça qui ont fait que je m'ouvre. Après ça, je suis partie sur. Je suis tombée un peu dans le bouddhisme. Après, je suis partie un peu dans. Ceux qui connaissent Abraham Hicks là. Qui connaît Abraham Hicks ici? Très peu de personnes. Mais je suis tombée sur les enseignements d'Abraham. Et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Oui. Parce que Abraham, ce sont des entités qui parlaient à travers. Ils parlent à travers une dame qui s'appelle Esther X. Et j'avais cette. Ma maman est décédée depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que ma mère est morte. Et il y avait des fois, elle essayait de venir me parler, mais je bloquais parce que à l'église, on m'avait dit que c'était mauvais, tout ça. Et donc je mettais toujours de côté. Je me disais, bon, c'est ma mère, je sais qu'elle m'aimait, mais. Est-ce qu'elle peut venir me faire du mal? Donc j'avais ce truc-là. Et à l'église, on me disait toujours non, cast away that spirit, you know. Du coup, ça m'embrouillait. Mais je disais toujours, Seigneur, le bon moment, je sais que tu vas m'éclaircir. Donc quand je suis partie de l'église, je suis tombée sur Abraham X. Et j'ai vu la capacité avec laquelle elle laissait parler les personnes qui étaient mortes. Et j'ai dit toujours, vous allez voir ici dans ce passage, Jacques 4, versets 7 et 8. Il insiste beaucoup. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. J'ai compris que quel que soit le côté de la spiritualité que tu explores à cette époque de ta vie, tu dois toujours avoir les intentions pures. Parce que c'est ça le problème avec beaucoup de personnes. Le motif de ton cœur n'est pas pur. Et c'est ça qui fait que généralement tu n'as pas... tu veux être spirituel, mais... Les intentions ne sont pas pures, gars. Je ne sais pas que je peux vous dire ça. Quand on te voit, on sent que tu viens seulement pour dominer les gens. Peut-être que tu parles à l'église parce qu'on va te donner une position de diacre ou quoi, quoi. Tu vas dominer les gens. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas le cœur pur. Il y a des personnes qui ont des grands postes à l'église. Ils n'ont pas le cœur pur. Du coup, même Dieu lui-même là. Les heures lumière, je ne sais pas, donc je ne te répondrai pas. Tu as compris? Donc du coup, ce n'est pas possible pour... en lisant la Bible, j'ai aussi compris que Dieu choisit, quand Dieu a laissé Saül pour prendre David, il cherchait quelqu'un qui était après son cœur. Donc, j'ai compris que le cœur est très important dans la spiritualité. Très, 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 très important. Un cœur pur va te protéger. Un cœur pur va faire que... Il y en a parmi vous, vous avez même été, vous avez fait face à des confréries,
à des entités tellement grandes. Mais la pureté de vos intentions et de votre cœur, ça vous a protégé. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Je sais que Facebook n'a pas de problème. TikTok, si vous ne vous tapotez pas, ça va. On va bloquer après. Vous savez qu'il y a des jours où je passe très très peu sur TikTok. Et pour grandir spirituellement, tu dois d'abord comprendre que peu importe là où je suis sur mon chemin. Ne te compare pas à quelqu'un. Parce que parfois, vous me contactez, vous êtes désespéré. Oh, je suis perdu. Oh, je suis ceci. Oh. Je crois que je connais maintenant, mais je ne connais rien. Dans 2 jours, dans 2 semaines, je connaîtrai encore. Et on ne connaît que ce qu'il nous révèle. Donc, faites confiance à vos guides. Faites confiance. Vous avez le higher self. Higher self, c'est... Il y a plusieurs entités. Vous avez vos ancêtres, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la Vierge Marie. En fonction de ce que vous acceptez, ou bien le nom que vous allez leur donner, vous avez... Il y en a tellement. Le monde spirituel, on ne connaît que ce qui nous a été révélé, ce qu'eux, ils ont voulu qu'on sache. Julia qui dit comment on fait le bain de sel. Ma chérie, tu es peut-être nouvelle sur ma page. Si tu connais le bain de sel, ça veut dire que tu peux aller regarder. J'ai plein de vidéos où je ne parle que du bain de sel. Bain de sel et bain de pipi. Donc vraiment, ça, c'est la base. Va là-dessus, sors seulement du direct, tu peux regarder mes vidéos. Tu as compris? Les kits qui sont en vente au Cameroun, tu prends le numéro, tu les appelles, tu appelles demain ou tu écris. Ok? C'est le 680-71-0701. Donc, plus 237-680-71-0701. Bon, comment comprendre les rêves? Vous devez comprendre que, premièrement, vous êtes plus spirituel que physique. Oui, enceinte, tu peux faire le bain de sel. Tu es plus spirituel que physique. Maintenant, la raison pour laquelle plus tu te déconnectes de ton esprit en étant très charnel, en ne connaissant pas qui tu es, en ne posant pas des actes qui vont te rapprocher de ta spiritualité, plus tu auras l'impression que tes rêves sont un peu lointains, genre, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour interpréter mes rêves, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour... C'est juste une suite naturelle de toi. Okay, voilà les gens qui struggle, oh, je ne comprends pas mes rêves, oh, j'ai... Ouais, TikTok. TikTok me dit que je suis en train de fumer. Et qu'ils ont limité les capacités des gens de me trouver. Oh my God. Je crois que je dois souvent faire ça. J'ai mis l'encens sur l'écran, la fumée montait. Et là, ils disent que je consomme de la cigarette. Donc, je suis sûr qu'il n'y aura personne qui va rentrer de nouveau dans le direct. Je crois que je devrais souvent faire ça. Pourquoi les gens n'entrent plus dans mon direct? That's a good idea. Thank you, TikTok. Thank you. En fait, TikTok est... Le réseau, c'est là, elle me fait le chantage aux gens. C'est pour ça que moi, TikTok, là... Si tu es indisposé, tu ne fais pas de lavage au sel. Votre problème, c'est que vous voulez vous souvenir de vos rêves. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on voulait me dire dans mon rêve. Voilà le problème avec vous. Voilà le problème que j'ai avec vous. Vous êtes très superficiel. Comme mon enfant ne fait que venir sur mon visage là. TikTok, vous allez seulement limiter que les 100 personnes qui sont là. Vraiment. Pour you à TikTok. Vraiment. Vous devez... Vous voilà. Ok. Voilà quelqu'un. Il se rappelle de son rêve. Il se rappelle de son rêve. Il n'y comprend que dalle. Il ne demande pas ses guides. Après, il vient te raconter son rêve. Il dit, ça veut dire quoi? Bon, tu voulais te rappeler ton rêve ou quoi alors? Puisque tu comprends pas ce que ça veut dire. Hein? Je sais pas si vous comprenez, je sais pas. Oh.
sais pas de se rappeler de ton rêve. Si bloc, il n'y a pas de problème, Shine. Je vous ai donné mon autre plateforme. Si bloc, il n'y a pas de problème. Moi et TikTok là, je ne veux pas le chantage de TikTok, même une seconde. Je ne veux pas le chantage de TikTok. Parce que la plateforme ici là, c'est pas un chantage mental qu'ils font aux gens. Si bloc, vous partez sur YouTube, ce truc là, je suis toujours sur Facebook. Toujours. Vous comprenez? Écrivez de Gifty Academy. Si quelqu'un le nom, il a mis là-bas. Ne vous abonnez pas sur mes autres réseaux, restez sur TikTok. Le truc, c'est que j'ai remarqué que vous aimez, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Spirituellement, vous aimez toujours qu'on vienne vous trouver dans votre lit pour regarder ça, faire ça. La spiritualité se cherche. Tu dois savoir poser les questions. Tu dois savoir chercher. On va même mettre le nom là-bas, je sais que vous n'allez pas partir. Il y a des jours quand ils font leur bêtise, je coupe TikTok. Je ne peux pas rester sur Facebook. Donc, je reviens sur la partie des rêves. Généralement, quand on te parle dans le rêve, on t'a déjà parlé plusieurs fois. Tu n'as pas écouté. Écoutez bien. On t'a déjà parlé, tu n'as pas écouté. On t'a montré, tu n'as pas vu. Parce que si le spirituel était tellement injuste, if it was so unfair, imaginez un peu, donc tu veux dire que toute ta vie réside seulement sur le rêve. Le nom de Facebook est là-bas, c'est The Gift Digger Academy. Le rêve vient compléter ce qu'on a déjà commencé à te montrer. Et vous êtes tellement superficiel, donc c'est pour ça que parfois ils rentrent même pas dans les interprétations de vos rêves. Ça veut dire quoi? Donc si tu te réveillais et que ton téléphone sonnait, ou bien si quelqu'un t'avait réveillé brusquement, et tu as oublié le rêve là, c'est fini pour toi dans ta vie. Le spirituel ne fonctionne pas comme ça. Ayez un peu plus de foi. Jésus reste qu'on s'est dit, mais où est ta foi? Where is your faith? Where is your faith? Parce que vous n'avez pas de foi. Vous êtes seulement là comme ça. Avant de te coucher, demande, parlez-moi. Et je parle du bain de sel. Donc si avant de te coucher, tu as fait ton bain de sel, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as demandé avant de te coucher pour fermer tes yeux. Comme tu as fermé tes yeux là, tu dois avoir la foi que non, on va me montrer ce que j'ai demandé là. Ils vont me montrer dans la nuit. Vous avez très peu de foi. C'est pour ça que quand je vois vos commentaires, parfois je ne me casse même pas pour rentrer dans vos énergies. Parle-moi, parle-moi. Donc de toute ta vie là, si tes ancêtres devaient te guider et que tu ne tombais pas sur ma vidéo, tu allais mourir dans la journée, t'ont guidé. Dans la nuit, t'ont guidé. Avant-hier, ils t'ont montré. Le jour d'avant, ils t'ont montré. Tu n'as pas écouté. Tu n'étais pas attentif. Parfois dans la journée, tu restes comme ça. Il y a plein de pensées qui passent dans ta tête. Ça passe de ça, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a des pensées que tu sais, homme, que je dois revenir. I need to come back on this one. Je dois m'asseoir, je médite encore dessus. Après, tu dis, dès que tu vois ça, une vidéo, comment, ou bien quelqu'un t'appelle, tu oublies. Tapoter sur truc là-bas, sur TikTok. Tu oublies. Dès que tu oublies comme ça, et c'était quelque chose d'important, ou. C'était quelque chose d'important pour ta vie. Mais tu es passé dessus. Tu pars, tu t'attardes sur les trucs qui vont te faire rire. Parfois, tu tombes même sur la page de quelqu'un. Tu vois comment la personne a un contenu qui, tu sais que ça va t'aider. La personne a un contenu qui va t'aider. Mais je te dis, ah,
Je vais revenir après. Tu pars, tu oublies le nom, tu ne t'abonnes pas. 2 jours plus tard, tu es réveillé comme ça, les ancêtres te rappellent que il y a la page de la femme là. Tu as oublié le nom, tu as oublié tout. Tu n'as pas suivi la personne. Alors qu'il y avait des messages sur cette page qui devaient te montrer. Si la personne a signé le direct, t'as porté le direct. Si on coupe le direct, je suis en direct sur Facebook ici là. Vous avez suivi. Je suis en direct sur Facebook. Sur Facebook, on n'a pas les points de signal là et tout ça là. On a signalé le direct. On a... Parce qu'ils ont dit que j'ai mis la cigarette ici là. J'ai mis l'encens. Ils voient la fumée. Ils disent que c'est. Pardon, laissez-moi. TikTok, c'est les mots de tête. Moi, ils ont dit que TikTok, c'est pour les enfants. Vraiment. Bon, continuons. Donc, quand vous demandez comment se souvenir de ses rêves, ta question doit être comment écouter la direction divine pour mon moment où je suis. Parce qu'ils peuvent te parler à travers tes rêves, ils peuvent te parler à travers des vidéos, ils peuvent te parler à travers un message. Tu es là comme ça, tu es en train de conduire, tu vois une pancarte. Et dès que tu lis la pancarte comme ça, là, on te parle. Il y a tellement de façons par lesquelles ils peuvent te parler. Il n'y a pas le kit d'infertilité à Paris. Tu as compris, ma chérie? Si tu veux les produits d'infertilité, contacte-moi inbox. Il y a le numéro sur la page. Comprenez que l'univers est connecté. Il peut passer par n'importe quoi pour vous parler. N'importe quoi. Tu peux être en train de jouer ton jeu vidéo. Tu es sur ta console. Tu es là comme ça. Tu. Là-dedans, dans la console, là, il te parle. Le nom de la page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E, espace G-I-F-T, espace D-I-G-G-E-R, espace Académie, avec Y. Vous devez, votre esprit doit être éveillé durant la journée. C'est pour ça qu'il y a des... Quand on parle de pratiques spirituelles, les choses spirituelles qu'on fait, que retenir quand tu pries et l'atmosphère, la fraîcheur change. Vraiment, vous avez des questions. Oh Seigneur. Le spirituel ne se base pas sur les sensations. Voilà votre problème. You like the feeling. J'ai avoir goosebumps. Oh, j'ai eu la chair de poule. Ça veut dire que ce que j'ai fait a marché. Je peux ne pas avoir la chair de poule, mais je sais que ce que j'ai fait a marché. Et aussi en ligne aujourd'hui, on a tout le monde qui va enseigner la spiritualité. Tout le monde qui montre qu'il connaît. Le plus grand enseignement viendra de toi-même. Les autres sont là pour t'apporter des ingrédients. La sauce, c'est toi qui la prépare. Vous dépendez trop des gens. Vous dépendez trop des gens. Tu viens, tu regardes ça. Dès qu'on te... Après, tu regardes une autre vidéo qui est l'opposé de ce que tu as regardé au départ. Quelqu'un m'écrit hier, elle me montre une vidéo où un monsieur dit que le blanc d'urine est satanique. Et elle me dit que depuis quelques mois qu'elle fait le blanc d'urine, ça m'a tellement aidé. Je dis que ma chérie, et je fais comment alors? Tu me dis pour qu'elle fasse quoi? Je dis, si tu vas arrêter, tu arrêtes. Si tu vas arrêter, tu arrêtes. Ayez un peu de personnalité.
C'est pas tout ce que tu vois en ligne que ça va seulement te faire. La Bible dit, Jacques chapitre 1, verset 5, 6. Ne soyez pas comme les vagues de l'océan. On te pousse ici, là, tu pars. On te pousse là-bas, tu pars. On te pousse là-bas, tu pars. Monsieur Frédéric veut payer sa dîme. Il faut faire avec le code marchand. Je vous donne le code marchand. Vous faites dièse 150, étoile 47, étoile 58, 68, 54. Et vous mettez dièse. Le nom qui va s'afficher, c'est The Gift Digger Academy. C'est ça le nom de ce... Au Cameroun, je suis enregistré avec ce nom-là. Donc, étoile 150, étoile 47, étoile 58, 68, 54, 10. Donc, ceux qui veulent payer la dîme sur venant de l'étranger, vous faites avec de 00237, 680, non, 655, 31, 07, 50. Donc, 655, 31, 07, 50. Voilà. Tout esprit ou toute personne, vous ne tombez pas sur mes vidéos par hasard. Votre esprit cherchait déjà ce que j'enseigne. Vous aviez déjà les questions. C'est pour ça que quand vous tombez sur ma vidéo, votre esprit résonne avec ce que je dis. Et c'est comme ça que vous restez. Si un pasteur te force pour que tu restes dans son église, il perd son temps. Le moment venu, tu vas partir. Tu as compris, non? Tu vas partir. Attendez, je ferme le bouchon. Votre esprit posait déjà les questions. Ce qui fait que quand vous tombez sur la vidéo de la personne, ou la mienne, tout de ce que la personne dit résonne avec quelque chose dans votre esprit. Le bain de sel est sur la page. Repartez, vous allez regarder. Voilà, il y a la reine Blandine qui dit que son esprit cherche ce que j'enseigne depuis 2015. Donc si vous tombez dessus et après on veut encore vous forcer ou bien vous... Parce que quand je parle, ce n'est pas moi qui vous enseigne. Souvent tu peux tomber sur quelque chose que je dis. La première fois tu écoutes. Deux semaines plus tard, tes guides ou tes anges te font tomber sur ça par hasard. Et à ce moment quand tu écoutes... Ton esprit reçoit. Monsieur le camp qui gratte, il faut aller regarder les vidéos. Je vais te bloquer, s'il te plaît. Bon, je bloque souvent les gens, ok. Oui, tu peux déposer au 655 31 07 58, si tu es à l'étranger. Et quand quelqu'un qui est spirituel est connecté, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois traditionnaliste, il y a un amour profond. Ça, il y a d'abord la lumière qui émane de toi. Donc quand tu rencontres une autre personne, la religion n'a pas d'importance. Ce sont les superficiels qui sont en train de dire, oh, c'est ma religion, viens dans ma part. Parfois tu peux rencontrer un athée. Moi je me dis, un athée qui a l'amour pur en lui, c'est juste quelqu'un, il va bientôt, tôt ou tard, il va rentrer dans la spiritualité. Il est déjà spirituel, mais sans savoir. T'as peut-être le direct là-bas sur le truc là, sur le truc là, sur le TikTok. J'ai rencontré parfois des athées que l'amour qu'il y avait qui venait de ces personnes. Et les Anglais surtout, quand j'étais en Angleterre,
Souvent, tu vois un engrais comme ça. Il te prend en route, peut-être tu fais l'autostop. Il te porte. Il te porte. Il te demande, tu pars où? Il t'amène chez toi, il te met devant ton portail. Il te. Pardon. Il a une gentillesse là que tu te dis que mince. Est-ce que je mérite cette gentillesse? Le nom de ce numéro, c'est Abbé Solo. Abbé Solo. Abbé Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. Il faut tapoter le direct ici, là. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Quelqu'un qui va te dire que spirituellement, il n'est pas dans quelque chose. Il n'est pas bouddhiste, il n'est pas musulman, il n'est pas. Il ne veut même pas accepter qu'il y a Dieu quelque part qui contrôle quelque chose. Ça, c'est un athée. Facebook, l'image n'est pas claire. C'est clair maintenant. Et c'est important pour vous de comprendre votre cheminement spirituel. Et au-dessus de tout, vous devez avoir la paix et l'amour. La paix et l'amour. Peu importe ce que tu prêches, s'il n'y a pas l'amour dedans. Donc l'amour du prochain, parce que Dieu est amour, ça c'est l'essence de Dieu. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il a tellement d'amour dans lui. C'est pour ça que je dis que quand tu rentres dans l'essence de ce que ta religion enseigne et que tu commences à laisser l'amour transpercer ton cœur, tu rencontres quelqu'un d'autre qui n'est même pas de ta religion ou bien qui, je ne sais pas, ça n'aura pas d'importance pour toi. Parce que les gens rentrent souvent dans les batailles qui ne sont pas nécessaires. Tu as vécu pareil gentillesse avec un Anglais. Tu étais perdu, il t'a montré le chemin, c'était vraiment incroyable. Non, les Anglais. En Angleterre, je suis tombé sur des Anglais gentils. Tu le vois dans sa maison avec sa femme, ses enfants. Gentils. Et les Anglais ont une compassion pour les uns pour les autres là. Tu vois, quand il y a le cancer, comment ils se supportent entre eux. On ne va pas poster les vidéos, on met en ligne pour se moquer de toi. Tu les vois comme, oh, that's so sweet. Oh, bless her. Oh là là, les Anglais. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de religion. Donc, malgré tout ce qu'on dit cela, si tu connais comment faire tes bains de sel, tu commences comment faire ceci, comment. Parce que le truc, the truth of the matter is this. La vérité, c'est que beaucoup de personnes sont spirituelles, mais elles n'ont pas l'amour pour le prochain. Très spirituelles. Certaines personnes vont dire, ouais, aide-moi, aide-moi. Tu l'aides. Demain, une autre personne a besoin d'aide, il n'aide pas la personne. Alors que tu l'as aidé. Il dit, waouh. Ton boulot que tu as là, c'est quelqu'un qui t'a aidé pour que tu l'obtiennes. Tu arrives là-bas, il y a une position vacante. Tu ne peux pas aider quelqu'un à obtenir cette position. C'est de ça que je parle. Si tu aimes le prochain et il t'a fait mal tout le temps, obligé de prendre les distances. Prendre les distances de quelqu'un et ne pas aimer quelqu'un, c'est deux choses différentes. On aime les gens à distance. Je parle de l'état de ton cœur. Je parle de l'état de ton cœur. Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement.
donner gratuitement. Combien d'hypocrites sont chrétiens dans les églises? Tu l'as tué avec la personne alors que dans ton cœur tu complotes ton mal. Marie Fashion, tu as mal rêvé et puis quoi? Moi je bloque les gens comme ça d'ailleurs. Je vous bloque moi. C'est moi qui suis la certaine de vous dire que vous gardez, vous devez être, vous aurez des gens ici, non? Je vous dis chaque jour, non? Éloignez-vous des gens. Moi-même, c'est moi-même qui vous dis. Tu protèges ce qui t'appartient. Tu protèges ta paix. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire signe ou preuve d'amour. Mamie, pour les anciennes églises, alors laisse tomber. Ancienne église. Pour les pierres, justement, c'est là aussi, c'est l'un des moyens pour se rapprocher spirituellement. Vous avez des pierres. J'ai laissé les miens, j'ai laissé certains dans la chambre là-bas. Il y en a plusieurs avec plusieurs noms. Bonsoir, c'est Eman. Est-ce que Odette même, sommes-nous compatibles? Vous aimez exposer vos vies aux gens aussi. Ouais, Seigneur. Pourquoi vous faites ça? Ne laissez pas les gens rentrer dans vos auras comme ça. Pourquoi? Protégez vos auras. Protégez vos auras. C'est, la Bible dit garde ton cœur. C'est de là que sortent les directions de ta vie. Vous avez aussi les pierres, par exemple. Voilà l'œil de tigre. Et oh, il y a plusieurs types de pierres. Voilà l'œil de tigre. Je n'ai pas tout, je n'ai pas tout mis aujourd'hui. Ne lésinez pas, ne. Don't be greedy. Mettez les moyens sur vos pierres, sur vos outils spirituels. Beaucoup d'entre vous, La pierre, c'est quelque chose que. Quand vous avez la conception de la pierre, ça a été conçu dans les profondeurs de la terre. Ça a passé des années dans la terre. Donc, ça a pu capter. Ça, c'est d'après mon petit savoir. Ça a pu capter beaucoup d'énergie. Ce qui fait que... Oh, j'ai laissé mon sac à main. Il y a des pierres que tu peux... Ça peut rester dans ton sac à main. Il y en a, tu peux mettre sur ton corps comme collier ou bien. Mais, mettre les moyens, ça veut dire dépenser son argent dessus. Oui, dépenser l'argent. Tu as compris? Mettre les moyens, tu dis que c'est à dire. Mais vous, le français, là, est que comment? Hein? Donc, tu peux mettre dans ton sac à main, tu peux le poser dans ta chambre, dans ton salon. Ça capte, voilà, merci beaucoup chimie. Les plantes aussi. Mais le truc avec les plantes, c'est que tu ne peux pas porter la plante sur toi. Donc, je pense que c'est pour ça que les pierres sont... Et là, il y a très peu de plantes qui ont passé autant de temps dans la terre. La plante, c'est pour une certaine période, ça sort pour une certaine période. Maintenant, il y a des plantes peut-être comme... le bâton de commandement, par exemple. Vous voyez que c'est... Merci pour le cœur, Amélie. Je te le retourne 100 fois plus. Belle âme. Donc, ça, par exemple, il y a des bois, des arbres qui ont été fabriqués dans la terre et ça a poussé, donc ça a capté l'énergie du sol. Donc ça, c'est autre chose. Je parle des pierres d'abord. Les pierres ont pris du temps pour absorber l'énergie qui vient de la terre. Certaines, il y a des bracelets qui sont faits avec des larves de volcan là. Et la pierre, prenez l'habitude de ne pas, même quand mes employés vendent des pierres aux gens, je leur dis de ne pas toucher les pierres. Parce que la pierre se décharge,
La pierre se charge. Ne portez pas la pierre de n'importe qui sur vous aussi. Donc, il y a des... Par exemple, l'aide de tigre, ça donne le courage. Ça éloigne aussi les mauvais esprits. Et aussi l'obsidienne. Et la tourmaline. Ces pierres sont noires. Donc, on vend des... Ceux qui sont à Douala, il y a des bracelets qu'on vend qui sont faits de tigre, obsidienne et tourmaline. Donc, ces trois-là combinés. Et aussi les bracelets 7 chakras. Donc, ceux-là ont plusieurs couleurs. Donc, 7 couleurs de... 7 couleurs de pierre. Je pense que le plus important dans la pierre, c'est pas le nombre que tu mets. Ta pierre, tu peux la charger d'une intention. Aussi. Maintenant, la pierre, après un moment, ça se décharge. Donc, ce que tu peux faire, tu peux charger avec du sel de mer. Parfois, je mets même de l'eau de mer. Parfois, je vois la mer parce que dans la ville où je suis, il y a la mer pas très loin. Donc, parfois, je vais là-bas, je creuse, je ne sais pas comment. Soit je prends l'eau de mer, je mets dans mon sachet où j'ai les pierres. Soit, parce que si je dépose dans l'eau, généralement, l'eau, les vagues viennent et s'emportent. Soit je cherche un coin où j'ai de l'eau qui est là, qui est un peu stagnante et je dépose dedans. Donc, tu peux aussi laisser avec les rayons solaires. Tu peux aussi laisser là où il y a la lune. Là, quand il y a la lune, la pleine lune. Tu mets les rayons de la lune dessus. Mais je préfère travailler avec le soleil. Moi, ça, c'est ma préférence. Okay? Donc, quand tu mets du sel de mer dans de l'eau, tu mets de l'eau dans un verre. Tu mets du sel de mer dedans. Et tu mets tes pierres au-dessus du sel de mer. Ça, c'est pour purifier. S'il y a des mauvaises énergies. Parce qu'on n'oublie pas que la pierre est un peu comme si ça épurait, ça absorbe ce qu'il y a de négatif. Et ça rentre dans la pierre. Donc quand tu mets le sel de mer, c'est pour vraiment retirer. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui mettent en collier, forme de collier. Le collier, c'est généralement pour que ça touche le chakra du cœur. Parce que parfois, tu parles avec des gens. Tu peux être là comme ça, tu as des gens qui sont en train de vouloir t'attaquer, t'apprivoiser, ça dépend. Donc, la pierre, quand tu la mets sur ton cou, ça touche le cœur, c'est pour protéger cette zone-là, généralement. Donc, sur les bras, généralement, tu les mets sur les deux endroits ici. Dans le sac, parfois en bas de l'oreiller, ça dépend de la... Donc, avant d'acheter les pierres, allez sur Google, documentez-vous sur... Parce que je sais que vous êtes aussi très paresseux. Vous aimez qu'on vous dise tout. Ce que je vous dis là, moi, je ne suis pas tout à apprendre quelque part. Vous suivez, non? Documentez-vous sur les pierres. Allez chercher. Regardez. Quand vous allez commencer à regarder, vous allez comprendre. Au bout de combien de temps ça se décharge? Je ne saurais te dire, Alim, ça dépend. Ça peut se décharger au bout d'un mois, au bout de deux mois. Vous avez aussi les courris. Vous avez l'habitude d'avoir les courris. Des bracelets de courris, des colliers de courris. Par exemple, celui-ci est très visible, c'est trop visible. Ça, je ne connaissais pas tout le monde. C'est tellement visible. Il y en a que c'est juste une barre de courris comme ça. Je peux mettre sur le cou. Les pierres de naissance, mycité, je ne sais absolument pas. Dans la spiritualité, je ne connais pas tout. Donc ça, j'ai une pierre de naissance, je ne sais pas. Donc, quand vous mettez dans le sel, après vous retirez, vous mettez au soleil. Et c'est surtout l'intention que vous mettez. Parfois, surtout quand tu viens d'acheter ta pierre, tu peux prendre, tu la charges vraiment. Il y a la pierre rose, rose quartz. Et aussi la pierre claire, transparente. La transparente peut être chargée par l'énergie que tu veux. Le rose, généralement, ça restaure l'amour, la paix, la quiétude. L'amour de soi, l'amour des autres. Donc, le plus important, c'est de surtout charger ta pierre d'intention. Charger. Voilà. Il y a aussi le violet, là, j'aime beaucoup. La pierre violette, or j'oublie le nom. La pierre violette s'appelle comment? J'aime beaucoup la pierre violette. I like it a lot. Ah, améthyste, c'est ça.
En Allemagne, j'ai acheté une amie qui paraît qu'elle correspond à mon mois de naissance. Oui. Denise Parker, tu dis que tu ne vois pas, tu es dans quel pays ou bien dans quelle ville? Et parfois, tu peux charger tes pierres avec. Tu achètes une grosse améthyste comme ça en ligne. Tu peux charger tes pierres avec. Donc, tu charges ta pierre avec une autre pierre. Parce que généralement, il y a des pierres qui sont très grosses. Très costaudes. Ah, tu as Yaoundé. À Yaoundé, il y en a, oui, il y en a. Ça dépend de quelle pierre. Tu veux quelle pierre? Donc, tu peux mettre tes autres pierres, tu les déposes sur la grosse. Tu déposes dessus. Et tu laisses ça quelque temps, ça va charger. L'endroit aussi où vous achetez vos pierres est très important. N'oubliez pas. Mais tu peux en avoir sur Amazon aussi. Vous avez en ligne, hein? Vous avez ça en ligne. Moi, mes pierres, quand je les prends, avant de les vendre, je les bénis. Donc, ceux qui achètent chez moi, sachez que je les bénis particulièrement aussi. Parce que moi, je suis très fan de charger ce qu'on a avant de... Moi, je ne crois pas trop au truc qu'on dit vraiment. Tu passes seulement prendre, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas qui y a. I'm very cautious about that, you know. Je fais très attention à ça. Ouais. Parce que tout ce qu'on trouve en ligne parfois. En France, on peut charger les pierres comment? J'ai déjà expliqué, ma chérie. C'est comment avec toi? Donc, ce que j'ai dit, papa, au soleil, il y a un peu de soleil en France. Hein, mamie? Où tu viens d'arriver? Ne m'embêtez pas, je ne suis pas dérangeable. Ne m'embêtez pas, vous, pardon. Bon. Je vais voir si encore une autre question. Le rôle des couronnes en perles. Reine Christelle, je ne saurais te dire, je n'en mets pas. Je ne mets pas les couronnes en perles. Moi, je mets ce genre de couronne. Tu as compris? La couronne, c'est juste une représentation externe de ce que tu es à l'intérieur. C'est très important. C'est une représentation extérieure de qui tu es à l'intérieur. Comment quelqu'un, tu m'appelles dimanche à 22h57. Tu crois vraiment qu'il y avait des pour décrocher. Tu es parti à la cuisine, j'ai déjà parlé de ça, donc je ne reviendrai pas dessus, ma chérie. Oh, you are. Une fois que tu commences à comprendre qui tu es spirituellement, ton esprit va commencer à désirer certaines choses. Parfois dans le rêve, tu vas te voir habillé d'une certaine façon. Achète ça, tu portes. Achète, tu portes. Parfois, quelqu'un peut te dire, je t'ai vu dans le rêve, tu étais comme ça. Tu portais telle chose. Parce qu'on est dans un monde où tout est tellement moderne. Moi, je suis tellement habitué. Je n'arrive même plus à sortir sans avoir un truc spirituel sur moi. Le bâton de commandement. Si tu veux acheter le bâton, tu vas écrire. Et puis, tu vas commander. Voilà. J'ai dit que je réponds aux questions ce soir. Les questions que je peux répondre, si je ne peux pas répondre, moi, je vous dis que je peux répondre. Parce qu'il y a des questions aussi que les réponses ne peuvent pas apparaître sur TikTok ou sur Facebook. Donc, je ne les donne pas comme ça. Un roi ne se reconnaît qu'avec sa couronne. Une reine ne se reconnaît qu'avec sa couronne. Ses bijoux, ses actes, ses you know. Je sais ce qu'on peut vous dire. Une reine a des bijoux. Et ces choses qu'ils mettent sur eux, dans l'ancien temps, ce n'était pas seulement pour le plaisir. Certaines de ces choses étaient pour la protection. Le rôle du bracelet en fer, je ne le donnerai pas passé. Tu as compris? Si tu vas acheter le bracelet en fer, tu achètes, tu mets sur ta main.
y a parfois, vous êtes attiré par quelque chose. Claudia, comment reconnaître qu'on est spirituel? Si tu m'écoutes déjà depuis 10 minutes, c'est que tu es spirituel. Quelqu'un qui n'est pas spirituel ne peut pas tenir dans ma vidéo. Que pouvez-vous pour ma procédure en attente? Vais-je obtenir mon visa? Riche Manto, tu es en train de poser la question à la mauvaise personne. Je ne fais pas ça, tu as compris? Tu as compris? Voilà. Tu ne peux pas venir pour que je charge ton bâton. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Si les plantes occupent ton esprit, peut-être tu as un don de guérison qui va se prononcer plus tard. Jerry Colline, je n'ai pas besoin de courage pour ma grossesse, tu as compris. Je vous ai déjà dit que ne parlez même pas de ma grossesse, parce que ce n'est pas vous qui m'avez enceinte. Vous n'avez pas payé les couches de mon enfant. Ce n'est pas vous qui allez m'aider à coucher. Donc laissez-moi ça. Si vous voulez que je vienne ici, là, et vous commencez à vous monter mon ventre. Je ne l'ai pas fait, donc excusez-moi. Tu as acheté les perles traditionnelles, on t'a demandé de ne pas porter. Les bracelets rouges ont un impact dans la spiritualité. Je ne sais pas de quel bracelet rouge tu parles. Donc je saurais te répondre. Est-ce vrai que certaines pierres nous choisissent? Quand vous allez pour acheter vos pierres, au début de ma spiritualité, c'est ce que je faisais. Genre, j'entrais dans la pièce de... J'entrais chez les personnes qui vendent des pierres. Je parlais aux pierres, carrément. Je parlais aux pierres. Et avant de choisir, même quand tu pars dans un... Tu pars pour acheter tes outils spirituels. Tu parles. Tu demandes, guidez-moi vers ce que je dois prendre. Je ne parlerai pas des rêves, je réponds aux questions qui n'ont pas trait avec vos rêves ou avec votre futur. Tu as compris? Depuis un certain temps, ton esprit te demande de porter le tissu traditionnel. Quand ton esprit il y a quelque chose qui t'attire. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes spirituels. Mais chez vous, on ne voit rien de spirituel. Absolument rien de spirituel. Vous ne trompez personne, vous vous trompez vous-même. Le kit infertilité, contactez-moi dans l'inbox. C'est pas pour le kit infertilité, j'ai des produits d'infertilité. Mais vous devez me contacter en inbox d'abord. Je n'ai pas fait des kits avec ça. L'année passée, j'avais des kits, mais j'ai arrêté. Vous aimez ça? Est-ce que mon projet de musicien marchera? Vous aimez ça? Tchai. Vous aimez que votre destin repose dans la main de quelqu'un? Si je te dis maintenant non. Nicole, j'ai fait une vidéo sur YouTube, où je montre comment utiliser le bâton de commandement. Beaucoup d'objets spirituels, vous devez laisser même vos guides vous montrer. On utilise ça intuitivement. Brown Sugar, si tu es étranger, tu veux que je te dise quoi? Tu me poses une affirmation. Et je ne rentrerai pas dedans. Tu as posé la question au moins 20 fois. Je ne réponds pas aux affirmations. Tu as compris? Donc, si tu sens que tu es déjà tu ne peux pas venir me dire quelque chose. Comme une dame me contacte, ça fait 3 jours, elle me dit, elle a donné son habit, quelqu'un est parti au Ghana consulter.
On a dit que voilà, son fiancé ou son copain là, il est assis sur sa destinée. Vous voyez les gens là qui vous donnent, ils vous donnent des diagnostics bizarres, ils ne vous donnent pas les solutions. Et elle vient me dire qu'est-ce qu'elle doit faire pour sortir de là? Je dis, mais ma chérie, tu as déjà eu un diagnostic. Va voir la personne qui t'a diagnostiqué, qui t'aide. Quand on a les guides qui nous crient dessus. Non, c'est ton imagination là-bas, Judith. Vous prenez. Vous avez une mauvaise conception des guides spirituels. Tout dans le spirituel, ça vient étape par étape. Ils vont te crier dessus, pourquoi? Tout ce qui t'apporte la confusion, la perdition, l'embarras, ça, ce n'est pas de tes guides. Les gens qui disent souvent, oh, ils m'ont tapé dans la nuit jusqu'à. Ils te tapent pourquoi? Hein? Arrêtez aussi, non? Ils vont te taper pourquoi? Si tu as reçu ta couronne dans le spirituel, tu as déjà reçu. Tu vas encore faire la cérémonie de quoi? Si on t'a initié dans le spirituel, tu vas encore faire quoi? Oh, TikTok, oh. Moi je ne lis plus moi vos commentaires, vraiment. TikTok, vraiment, je ne sais pas. Hé, maman, et les enfants de TikTok. Comment connaître sa destinée? Tu es déjà dans ta destinée. Tu es déjà dans ta destinée. Première chose. Tout ton passé, tous tes problèmes, toutes tes failles, tous tes hauts et tes bas. Tu es déjà dans ta destinée. Minos Fleur, tu viens de gagner ton ticket pour que je te bloque de ma page. Tu as compris? Regarde comment il te bloque. Regardez bien. Venez pas en inbox me dire que wow, je vais vous bloquer. Voilà. Les gens spirituels, les magnétiques, vous venez ici là me tenter là. Les magnétiques, vous venez dans mes directs me tenter là. Allez faire vos plateformes, vous faites vos directs. Vous me suivez? Allez faire vos directs parce que les gens là-dehors qui ont besoin d'être guidés. Ne venez pas ici là me tenter. Quand ils vont vous commenter, je vous connais. Et si je suis patiente, je sais ce que je fais. Voilà. Miguel, je connais Dani. Je fais quoi avec Dani? Tu es déjà dans ta destinée et plus tu penses que tu es dans ta destinée, plus tu te connectes. Tout le chemin que tu as parcouru depuis que tu es né jusqu'à maintenant, ça faisait partie. Tatiana, si elle n'était pas répondu, ça veut dire que ta question ne valait pas la peine que je te réponde. Tu as compris? Monsieur Carter, tu as gagné le ticket pour que je te bloque. Voilà. Je vais te bloquer. Tu vas voir. Ta destinée commence avant ta naissance parce que tu as des choses que tu es censé faire. Maintenant, tu as la période où tu es encore voilé, c'est-à-dire tu es dans l'obscurité, tu n'es pas encore réveillé. Tu es aussi là comme ça, tu vis seulement pour vivre. Tu vis seulement pour vivre.
Tu pars là-bas, tu échoues, tu pars, tu fais les enfants, tu. Après un moment, tu as un éveil. Tu as un éveil. Tout ce que tu as vécu ne peut pas être effacé de ta destinée. Ça fait partie de ta destinée. Yannick, si vous connaissez mon histoire, parce que je l'ai racontée plusieurs fois en ligne, je ne pouvais pas être qui je suis sans mon histoire. Je ne peux pas faire ce que je fais en laissant les détails de mon histoire. Beaucoup d'entre vous, souvent, vous rejetez qui vous êtes. Peut-être tu as vécu dans un quartier quelconque. Tu rejettes le quartier là. Quand tu vas dire à moi, je vous dis souvent, je viens de Tonganville. Ça fait partie de moi. Maintenant, tu vas comprendre que quand on parle de destinée, ça ne veut pas dire que avant que tu ne vivais pas, à partir d'aujourd'hui tu vis et puis ça ne fonctionne pas comme ça. Et le spirituel, c'est quand tu acceptes tout de toi. Ça te fait un pas. C'est pour ça que vous devez beaucoup vous méfier des personnes qui n'ont pas de passé. La rêve, ils te disent seulement que ouais, non, prends-moi à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi seulement à partir d'aujourd'hui. Très souvent, les personnes spirituelles aiment beaucoup parler de leur passé. Parce que c'est ça qui a fait que la personne soit là où il est. Et c'est ça qui fait aussi que ça t'encourage pour te dire que, ah, si elle est comme elle est aujourd'hui là, alors qu'elle a traversé ça, ça veut dire que moi aussi, je peux. Parce que c'est qu'il y a des personnes parfois qui aiment vous impressionner et vous aimez ça. Quelqu'un arrive en Europe, il a fait 8 ans de galère et puis depuis 3 ans, il est bien, il a une grosse voiture, une grosse maison. Il te voit, commence à te dire, non, mon fils, tu sais, moi, franchement, non, il n'était pas riche toute sa vie. Il a traversé la galère. Il était sans papier. Il a traversé ceci. On l'a rejeté. On a fait le déporter. C'est ça qui fait sa destinée. Et vous devez croire qu'il y a un plan pour vous. Arrêtez de parler toujours comme les enfants perdus. Je suis perdu, je suis perdu. Qu'est-ce que ça va pas? Et tout ça. Quand tu parles, on te donne. On se moque de toi. On se moque de toi avec après. C'est parce que tu tiens compte des gens, non? Si tu te moques de moi, il m'en fout. Attends, attends un peu, ma chérie. Tu te moques de moi, ça me fait quoi? Tu te moques de moi, ça me fait quoi? Ça apporte quoi dans ma vie? Ça paye mon loyer. Parce que vous avez aussi, c'est comme si vous avez quelque chose à prouver aux gens. Si j'ai besoin de dire que je veux devenir riche parce que je veux monter à telle personne que. Non. Tu comprends que ta vie a vraiment avancé quand tu ne veux plus. Même dans ton futur, dans tes projets, tu ne veux pas impressionner quelqu'un. Oui, j'étais à Tonganville, c'est ça. Au marché des chèvres, ancien marché des chèvres. Et tu dois comprendre que la personne que tu es aujourd'hui vient exclusivement de la personne que tu étais. Donc tu ne peux pas rejeter ton ancienne personne. Et plus tu t'acceptes, plus tu peux aider les gens. Il y a les personnes spirituelles qui peuvent dire, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Dites-moi vos problèmes. Dites-moi vos problèmes. Non, 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 non. Moi-même, j'ai mes propres problèmes. I got issues, man. I got issues. I got issues. Et tu vas voir que ce genre de personne qui a accepté son passé et a accepté sa vie a compris que je suis encore un travail en progrès. Work in progress. Les gens ont tendance à plus faire confiance à ces personnes-là. Parce qu'on voit, tu es juste open. You're just you. Tu es juste toi. Et puis, si tu ne m'aimes pas, tu n'es pas ma personne, ou tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de mon cercle. C'est comme ça que vous forcez les relations. Parce que vous voulez être une autre personne. Et après, ce n'est pas bon, ça ne va pas dans votre avantage. Je me dis toujours, la vie est tellement longue. On a encore tellement de choses à faire. Pourquoi mettre une fondation sur le mensonge? Pourquoi prétendre être celui que je ne suis pas? C'est pour ça qu'on parle du pouvoir du témoignage. Le pouvoir du témoignage. They overcame.
with the word of their testimony. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc il y a ton témoignage. Ton témoignage là, ça aide les gens. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je réponds aux questions. Les questions qui m'arrangent, bien sûr. Ce qu'elle ne peut pas répondre, t'es dit. T'es dit qu'elle ne peut pas répondre. Patience, ici mes conseils t'aident. Je te souhaite que tu sois ancré encore plus dans toi-même. Et le discernement spirituel. Laissez vos guides vous parler. Laissez vos guides vous guider. Laissez-les combattre pour vous. L'autre demande comment connaître sa mission de vie. La mission de vie, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air là-bas. Toi, tu es ici. Tu es déjà dans ta mission de vie. Mais seulement, certains d'entre vous, vous n'avez pas assez de discipline pour poursuivre. Ta mission de vie a trait avec ce que tu aimes, les difficultés par lesquelles tu es passé. Les problèmes que tu as traversés, ce qui te fait mal et que tu voudrais changer dans le monde, les projets et les rêves que tu as. Frédéric, ceux qui naissent avec 11 doigts, je dirais 12 doigts même, va sur Google, tu écris, tu as trouvé. Je demande la particularité de ces personnes. Merci, Love. Parce que vous, quand vous regardez les films, vous pensez que comme dans les films, quelqu'un a une destinée. Ça veut dire que vous avez forcément une destinée qui est hors de votre... Tu peux être né à Tongan. Tu as vu comment les enfants ont souffert là-bas. Et je t'ai toujours dit que si demain tu as l'argent, tu as construit un grand hôpital là-bas. Ton passé et ce que tu as vécu, ça a fait naître en toi un désir. Ça a fait naître en toi un désir. Et maintenant, tu commences à aider les gens. Donc, je dis encore vos désirs, ce que vous avez toujours voulu changer dans le monde. Je ne sais pas. Là, par exemple, ce que je fais maintenant, ça fait partie de ma mission de vie. Mais je peux pas vous dire à quel point j'ai tellement désiré aider les gens dans ce sens. Même quand je ne connaissais encore rien dans la spiritualité. Comment faire pour lâcher prise et laisser derrière nous ce qui nous fait mal, du mal? Tu le retiens d'abord par ton cœur, dans ta tête. Si tu es attiré par les coquillages, c'est très probable que tu sois une personne de l'eau. Je sais que vous n'aimez pas le nom là. Quand on dit ça, vous dites, oh, je ne suis pas une mamie Wata. Donc, quelque chose qui t'a fait du mal,
Tu as retenu la chose dans ton esprit d'abord. La première chose, c'est que tu dois désirer laisser la chose partir. Deuxième chose, tu dois volontairement dire, déclarer que tu pardonnes et que tu relâches la personne. Donc tu dois t'entraîner avec des paroles d'abord. Je te relâche, je te pardonne, je te relâche. Je te pardonne, je te relâche. Je te pardonne, je te relâche. Et tu dois aussi visualiser comment tu pardonnes la personne. Et après, pardonner, c'est un choix, c'est une décision. Le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile, ça ne vient pas naturellement. Parce qu'on a toujours peur que la... Et pardonner ne veut pas dire qu'on repart dans les mêmes choses qui nous ont fait mal au départ. Donc n'oubliez pas, ne me prenez pas ça. Quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je peux encore me remettre au même endroit. Il avait failli m'étrangler, maintenant là, il va seulement me pendre. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que peut-être j'avance avec ma vie, mais je ne parle plus de la personne, je ne mal parle plus de la personne. Rudy, n'insultez pas les questions des gens. Je vais lire, si je peux répondre, je réponds. Si je ne réponds pas, il n'y a pas... Donc, n'insultez pas la question des gens, ok? Ce n'est pas nécessaire. Le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas facile. Et quand tu veux pardonner, éloigne-toi des personnes qui ont... Supposons que tu as un problème avec ton mari, ok? Il t'a fait beaucoup de mal. Tout le monde a vu. Si tu veux pardonner, tu décides de pardonner à cet homme. Et peut-être de continuer avec lui. Ne pas pas rester devant ta mère qui a vu comment elle a failli te tuer. Chaque jour, ta mère va te dire que, ton mari, là, moi, il n'aime pas. Oh, oh. Donc, elle va encore ressasser les mêmes choses qui se sont passées. Donc, pour la mission de vie, j'ai une formation dessus. J'ai une formation mission de vie dessus. Et quand il voit ta question, je sens que tu n'es pas prêt à investir dessus. Forcément, je vous connais. Et le spirituel demande de l'argent, la croissance spirituelle, que ce soit le développement personnel. Parce que la croissance spirituelle fait partie du développement personnel. Et beaucoup d'entre vous, vous préférez seulement venir dans les directs comme ça, là, vous posez des questions gratuitement. Les gens te disent que prends une formation, paye une formation à 100 000 francs. Tu t'assois, on te montre comment faire ça, ça, ça. Tu ne vas pas le faire. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, sur TikTok. Merci pour le cœur, Lille. Martine, tiens, tu es de l'eau. Tu vas faire quoi? Il y a certaines choses qu'on ne dit pas en ligne, ma chérie. Il y a des choses que je ne donne pas en ligne parce que moi, je connais les gens. Ce que je dis là, c'est pas tout le monde qui va se reconnaître en ça. Donc, il y a des choses très profondes que je ne perds plus le temps pour dire en ligne. C'est avant que je parle de ça en ligne. Je ne me casse plus. Tu ne peux pas me voir, ma chérie. Merci pour le témoignage du bain de sel. Je ne suis pas voyable pour le moment. Merci de tapoter le direct. Ok, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je vais reprendre peut-être deux questions et après ça, on va partir dormir. Et moi, ma reine, je suis doux. Vous aimez ça.
Alim, tu dis qu'elle est de Bouddha. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que vous avez fait? Tu demandes ce qui marche dans ton corps. Je connais ce que tu as mis dans ton corps. Chaque fois que tu veux commencer un kit, tu te mets à saigner. Tu attends quand tes règles finissent, tu fais ton kit. Fred, mon beau, je vais très bien. Tu attends tes règles finissent, tu fais ton kit. Tu ne veux pas quand même saigner 30 jours par mois. Arrêtez de mettre toujours tout de maléfique dans les choses. Comment sait-on qu'on est dans la bonne direction? Tu dois confesser que tu es dans la bonne direction. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas, mais que tu espères. Quand tu fais quelque chose, même si c'est une mauvaise décision de mariage que tu es en train de prendre, Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est dans ce pays que je dois partir, est-ce que c'est ça que je dois faire? Montre-moi. Maintenant, Seigneur, je crois que tu veux que je fasse ceci. Et je vais le faire. Et si ce n'est pas toi, si ce n'est pas la direction ce qu'il doit prendre, montre-moi, intercepte-moi, dis-moi. Et quand ils vont te montrer, il faut que tu sois vigilant pour écouter. Parce qu'il y a des décisions parfois qui sont très difficiles à faire parce que le discernement est très délicat là-dessus. Je n'ai pas bonne mine. Et puis tu vas faire quoi pour me soigner, papa? Comment savoir le pays étranger dans lequel on va réussir? Vous avez des questions. Je dirais, je les qualifierais de tellement gens de peu de foi. On ne vole pas le don spirituel de quelqu'un, mais on peut voiler ton don. On peut voiler ton don. Oui. Les personnes qui sont de l'eau savent qu'elles sont de l'eau, non? Tu commences à savoir qu'on est de l'eau. Pourquoi tu choisis l'eau particulièrement? Donc tu es venu chez moi, ma fille t'a raccompagnée. Les personnes de l'eau sont très attirantes. Elles ont de très beaux yeux. Elles sont très, très, très séductrices. Généralement, les personnes de l'eau ont des pouvoirs. Je ne vais même pas continuer. Parce que les personnes de l'eau se reconnaissent à un moment. Comment savoir qu'on est voilé? Le truc, c'est que vos questions sont toujours dans le sens des blocages. Et jamais dans l'autre sens. Vous êtes dans le sens des blocages. Et vos esprits sont tellement focalisés sur le blocage. Tellement. Je me demande bien pourquoi. Flore, bonsoir. Les personnes de l'eau, il y a les sirois, il y a les sirènes.
quand vous avez des questions, cherchez. Demandez surtout à vos guides. Je dis que la, mes produits ont permis, ont dévoilé la, les décepticons de ta famille. Beaucoup d'entre vous, vous n'engagez pas vos esprits, vos anges, vos ancêtres. Tu veux que ton business de perruque fonctionne. Peut-être que ce n'est pas le business que tu es censé faire, mais tu forces. Quand tu trouves ton élément, ça commence à marcher. Comment savoir qu'on est protégé par une entité? Qui t'a d'abord dit que tu es protégé par une entité? Il ne faut pas forcément être côtier près d'une personne de l'eau. Non. Laetitia, j'ai déjà expliqué comment devenir spirituel. J'ai expliqué tout à l'heure. Il y a juste un moment où tu deviens. Certaines choses t'attirent. La façon dont tu dépenses ton argent change. Ton vêtement change. Tu arrêtes de défausser tes cheveux n'importe comment. Certains d'entre vous, votre spiritualité est retardée parce que vous n'êtes pas prêt à abandonner ces choses-là. Vous êtes en boîte de nuit tout le temps, vous ne voulez pas arrêter. Vous avez 5 dragueurs, vous ne voulez pas arrêter. Et vous voulez faire ça et être spirituel en même temps. C'est difficile. Il faut nettoyer vos mains. La spiritualité ne vient pas avec la peur. Si tu ressens la peur, il faut demander à tes guides. C'est que tu as aussi beaucoup purifié l'atmosphère chez toi. Plus tu es spirituel, plus tu as confiance, tu as la foi. Mais si tu traverses les zones, on va lire le son 23. Je vais lire le son 23. La spiritualité n'exclut pas les problèmes. Le Seigneur et l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Plus tu te rapproches de cela, tu sais que tu ne manqueras pas. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tu sais que partout où tu vas, tu seras sur ces verts pâturages. Bonsoir, Love Life. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a beaucoup de repos et de direction. Tu es guidé. Tu dois vraiment être guidé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu me guides, tu m'envoies dans les endroits paisibles. Comment est-ce que je rencontre encore la vallée de l'ombre de la mort? Ah ah! Oui, la spiritualité n'exclut pas les problèmes. Ça n'exclut pas les zones d'ombre. J'ai parlé de ça l'autre jour. On appelle ça Dark Night of the Soul. La nuit noire de l'âme. Ce sont des dépressions très intenses que tu peux traverser quand tu deviens spirituel. Très, 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 très intenses. Et puis dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Après m'avoir fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, où j'ai failli mourir, où j'étais dans la confusion, la dépression, tu viens maintenant mettre une table devant moi, et tu me bénis quand il y a les gens qui me détestent, qui me regardent. La spiritualité ne veut pas dire que tu n'auras plus les ennemis. La spiritualité ne veut pas dire que vous n'avez plus les ennemis. Je ne répondrai pas à ta question, on est là. Je te focalise seulement sur le don. Tu veux qu'avec le don. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête.
Ta tête qu'on oint d'huile, c'est l'onction qu'on augmente. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Donc, on est spirituel, ça ne veut pas dire que bon, ça va, on est épargné de toutes choses. Il te conduit, il mène les combats pour toi. Tu traverses même la dépression, les zones d'ombre. Là, tu traverses, tu frôles la mort, il est toujours là. Fly no one, je ne vais pas te répondre pour accoucher. Tu as compris? J'ai vu ta question. Le fait d'être spirituel, on a tous des dons. Hein. Il y en a qui sont dormants. Il y a des dons qui sont dormants en vous. Par exemple, la capacité de lire les énergies, d'être médium, psychique. Vous avez tous, on a tous ça. Parce que la télépathie. Mais chez certaines personnes, c'est plus élevé, plus prononcé que d'autres. Oui. Les guides sont toujours en harmonie avec toi. C'est toi qui n'es pas en harmonie avec eux. On partait du fait que vos guides veulent vous parler. Ils veulent vous. Ils veulent, donc c'est un peu comme quelqu'un qui est là, il attend que tu répondes à ses messages. Donc ils t'attendent, ce n'est pas toi qui les attends. Et ils ne sont pas en conflit avec toi. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour qui t'aide et il ne te parle pas. Ou bien il a des problèmes avec toi. Vos dons ne sont pas dormants. Comment reconnaître son don? Comment... C'est pour ça que vous avez des questions que quand vous posez, la façon dont vous formulez, je ne vous réponds pas moi. Vous avez des dons que quand vous... des questions que vous posez, je ne réponds pas. Parce qu'une fois que votre esprit, quand il voit la question, je vois l'esprit est tordu. Your spirit is twisted. Tu n'as pas besoin de savoir qui sont tes guides pour les identifier. Montrez-vous, montre-toi, je veux te voir. Ça, c'est la chair qui parle comme ça. Monsieur Tadier, bye. Ok. C'est la chair qui parle comme ça. Tu dois savoir que ton guide est d'abord là. Il est là. Il est là. Pour s'occuper de moi, pour me servir. He's ministering to me. SLCN make-up. Ne parle pas dans la direction. Ne pose même plus ta question. Tu vas t'éclairer sur les entités des eaux. Qui t'a dit d'abord qu'elles sont les entités de l'eau? Vous partez prendre les choses quelque part. Vous ne finissez pas là-bas. Vous venez me demander. Repars là où on t'a d'abord montré. Là, tu continues là-bas. Tu as compris? Voilà. Merci pour le cadeau que tu as donné. On est là. Tu as gagné un ticket pour qu'il te bloque. Il faut aller dormir, ma chérie. Va-t'en dormir. Les choisis doivent avoir des persécutions. Je viens de lire le psaume 23 ici, non? Les persécutions n'arrêtent pas qui tu es. David te dit qu'on met la table devant lui, on met la nourriture pour qu'il mange devant ses adversaires. Vous êtes toujours là où vous voulez. Wow, je veux d'abord que mes problèmes finissent. Non, 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 non. Les problèmes sont là. Tu prends ta cuisse de poulet, tu manges, tu regardes les problèmes. Vous n'avez pas compris. Bye, 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 Patrice. Va dormir, toi. Vous n'avez pas compris. Même si quelqu'un vient te dire qu'il veut prendre tous tes problèmes, il veut t'arnaquer.
Il veut t'en acquérir au rat. Et vous aimez ça? Tu as dormi, Youssef. Malheureusement, les gens sont très superficiels. Très. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enseignants spirituels n'aiment pas venir sur les réseaux sociaux à cause du flux de personnes qui est là. Et même contrôler ce flux, c'est tellement délicat. C'est pour ça que beaucoup de ces personnes n'aiment pas. Je me rappelle, j'ai rencontré un enseignant, un maître spirituel, très, très, très. Regarde là, hey. En décembre 2020. 20. Il passe son temps au bord de l'eau, dans les endroits, dans les forêts. Il lui demandait toujours, pourquoi tu ne fais pas des enseignements? Je vais mettre tes enseignements en ligne. Il dit non. Il dit non. Le bon moment, je rencontre la bonne personne. Même si c'est une personne, j'enseigne à la personne. Et je pars. Parce que beaucoup de personnes, vous n'aimez pas. Vous aimez qu'on prenne tout, on vient déposer devant vous, qu'on mange. On ouvre même ta bouche, on met les dents. Faut vous élever spirituellement, mûrissez, mûrissez. Quand tu dis que tu vas essayer, laisse ton bébé, tu ne fais pas. Tu as compris? D'accord, on va essayer. Quand quelqu'un me dit qu'il va essayer, je ne compte même pas sur lui. Le matin, c'est dans mes ordres, dans mes employés, il me dit, madame, je vais essayer. Je dis, ah, lui, là, tu ne vas pas me faire. Donc, laisse. Je vois qu'une personne, quand elle commence à mûrir dans sa spiritualité, elle ne veut pas faire plaisir aux gens. Elle ne dit pas que je vais faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Elle parle très peu. Elle n'essaie pas de te convaincre. Elle n'essaie pas de. Non, non, non. Elle sait ce qu'elle sait. Et elle n'est pas. Ce n'est pas ton approbation qui va faire que la chose soit vraie ou pas. Yvan, bonsoir. Tu as besoin de conseils de business, Yann, à Levin. Mais je ne suis pas là pour les conseils de business. Apprenez à payer pour avoir les conseils nécessaires. Tu dis comment faire pour évoluer et mener à bien mon business de pâtisserie. Tu n'es absolument pas au bon endroit pour ça. Le noir est habitué à toujours aller partir dans la quincaillerie pour acheter le pain. C'est comme ça que le noir aime. Tu peux manger des chèvres pour acheter la Range Rover. Vous aimez ça? Muriel, tu rires. Bon, j'ai fini avec les questions. Très rarement, je fais des questions-réponses. Donc, j'ai fait un peu aujourd'hui. Océanie, c'est très facile de tomber sur la bonne personne. C'est très facile de tomber sur la bonne personne. C'est ta foi qui attire la personne. Ta foi. Quand tu fais ta chose, tu vas être convaincu que ça va donner. Tu vas être convaincu que la bonne personne vient à toi.
peux être convaincu dans ton esprit. Et quand tu parles avec les gens, tu déclares. Tu déclares que non, telle personne, ma chose est en train de venir. Peut-être tu es en train de chercher un appartement, tu dis que je vais trouver l'appartement cette semaine. Ok, bonne soirée. Facebook, bonne soirée. À demain matin. Il y a la prière le matin.